Yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 10 du Let's Play Fit the Bourrin. Alors, on avait terminé l'épisode précédent sur l'ouverture du portail de des elfes. Je vais aujourd'hui essayer de créer un module d'enchantement qui va remplacer ce truc-là qui est bien, mais qui pourrait être mieux. Je vais vous montrer tout de suite de quoi ça retourne. Donc, je vais retirer déjà ces deux trucs-là, on va en avoir besoin. Voilà, hop. On va se faire une petite structure. Où est-ce qu'on va le faire? Alors, première chose, il nous faut des mana pylônes. Il nous en faut 6, donc on en a 2. Donc on va faire celui-là. Voilà, hop. 1, 2. Voilà. Ok. Ça, c'est la première chose. Du mana steel, on va en prendre là aussi. Non, c'est ça que je voulais faire. Du mana steel. Et on va redescendre. Faire nos derniers mana pylônes qu'il nous faut. Donc 1, 2, 1, 2. Je suis descendu là parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. 1, 2. Il va nous falloir de l'obsidienne, elle est ici. 3 et 4. Parfait. Donc ça, on n'a plus besoin. Il va nous falloir donc de l'obsidienne. Il nous en falloir 17. Là. Toc. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Qui nous dit le monsieur? Enchanting with mana. Gna gna gna. 17 obsidiennes, on les a. Mystic Fall Flower, on va les chercher. 6 mana pylônes, on les a. Lapis bloc, je sais plus si je l'ai remis là-dedans. Ouais, j'en ai un encore de nos dernières petites aventures. Donc, on va aller stepper directement dans le monde minage. Comme ça, je vais regarder où en est la tortelle en même temps. Hop. Ici, il y a une petite technique. Il faut faire un pas de côté, sinon ça marche pas. Tiens, il y a la lave qui a droppé. On s'en fout. La turtle, elle gère la fougère. Hop, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Améthyste. Je savais même pas que ça existait. Bon, pas de diamant pour l'instant, c'est un peu fâcheux. Là, tout va bien. La turtle, comme je dis, elle gère. Oups, on est tombé. On va remonter vite fait. Non, c'est pas là. C'est ici. Hop, commence à être le bordel ici. Hein. Hop, voilà. Je me refasse un nouveau point de spawn parce que là ça va pas. Et on va aller récupérer donc 10 plantes. Alors qu'est-ce qu'on a à proximité? Que dalle parce que je m'étais déjà servi en masse. Donc on va aller un peu plus loin. Et qu'ici j'ai commencé à noter les emplacements de certains petits nodes. Au moins comme ça, quand on va enquiller sur Tomcraft, ce sera fait. Tiens, on va prendre les plantes rouges. On va essayer de faire ça comme il faut. Rouge, une. Deux. Bien évidemment. Je peux en avoir d'autres. Si, j'en vois là-bas. Bon, je vais pas vous. Je vais à la chasse aux fleurs, vu que je veux que des fleurs rouges. Ça va être un peu long. Je reprends tout de suite. Ça y est, j'ai terminé la chasse aux fleurs rouges, donc normalement on a tout ce qu'il nous faut. Première étape, il va falloir faire ce pattern là. Donc c'est 3 de côté, d'accord. Ok. On le faire là, tiens. Pas trop loin du mana quand même, tiens, on va le faire ici. Allez hop. On va prendre nos obsidiennes. On va prendre une pelle tant qu'à faire, ça ira plus vite. Voilà. 1, 2, 3, 1. Voilà, c'est comme ça, c'est comme qui dit le pattern. Il faut laisser un carré, d'accord. Un carré là, donc c'est comme ça. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Faire de trop, c'est pas très grave. Voilà, donc il nous a dit le monsieur de faire ça comme ça. Il n'y a pas de trop au milieu. Non, il n'y a pas de trop au milieu. Alors, on va mettre notre psy. Là, 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 là.
Là, 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 là. Voilà. Première étape terminée. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre derrière? Oh là là. Je sens que je vais encore être trop light de chaque côté. Non, a priori, ça devrait être bon. Premier pylône. 3. Alors, un en l'air. D'accord. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Ok, donc on le fait dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Alors on va le faire dans ce sens-là. Donc c'est ici. Donc je vais prendre des petits blocs de dirt. 1, 2, 3, c'est bien ça. Je vérifie une dernière fois. Ouais, c'est bon. Donc on va placer nos pylônes à côté. Gentiment. Pylône 1, check. Pylône 2, check. On va retirer la torche histoire qu'elle ne nous embête pas. Et les derniers, ils se retrouvent un sur le côté. D'accord. 3, 1. 1, 2, 3, 1. Comme ça. 1, 2, 3, 1. Comme ça. Je vérifie que c'est bien ça. 1, 2, 3, 1. Ouais, c'est ça. Ok. Pareil de ce côté-là, 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Comme ceci, 1, 2, 3, comme cela. En toute logique, on devrait être bon. En toute logique, on l'est. Hop là, hop là, hop là, et hop là. On prend notre pelle, on vire l'excédent qui est en dessous. Et on met ce qu'on a pelleté en trop. Ok. Étape 2 terminée. Alors là, il nous dit il faut mettre une fleur en dessous de chaque pylône et au centre. D'accord. Alors on va prendre nos fleurs. La couleur n'a pas d'importance. Hein. C'est juste. Moi j'avais envie de faire comme cela, d'avoir que des fleurs rouges. Mais vous pouvez faire toutes les combinaisons de fleurs que vous voulez. Voilà. Ça c'est fait aussi. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? T'es sérieux? Ah non. Donc le lapis il est au-dessus. Ok. D'accord. Alors le bloc de lapis on l'a. Et on va le placer ici. Voilà. Donc logiquement le pattern est terminé. Alors, regardez juste au niveau d'éclairage. Bon, on s'en contentera, hein, c'est pas grave. On va retenter avec une torche, mais j'aimerais que pas que ça fasse capoter l'opération. Mais bon, on va tenter comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Après la construction, que la construction soit terminée, faites un clic droit sur le lapis bloc avec la wand de la forêt et l'enchanteur devrait prendre forme. D'accord. Alors, boum, l'enchanteur a pris forme. Nice. Ok. Donc, dans une heure d'autre utilise pour utiliser l'enchanteur, vous un one would place via click the item to be enchanted in the enchanter itself and drop enchanted books inside the circle around it. D'accord. Donc, il faut placer la pièce d'enchantement que vous voulez sur le bloc et mettre un livre pour l'enchantement dans le cercle. Alors, on va chercher un livre d'enchantement. Par contre, la question est de savoir où est-ce qu'on l'alimente. Alors, j'ai. Je suis en train de faire tourner mon usine à Wither. On va voir ce que ça donne en même temps. Wither. Toujours deux squelettes. Deux têtes de squelettes. Par contre, voilà. Donc, si je veux faire Fire Protection, par exemple, sur ma chestplate. Et projectile aussi sur mon cul, par exemple. Comment qu'on va faire? Alors je regarde juste que j'ai pas d'autres trucs à virer en même temps. Non, c'est bon. Alors, je sens qu'on va avoir besoin de Spark. On va voir ce que ça donne. Non, on va prendre de la Blaze Powder. On en a
encore. On va le prendre de côté. Et c'était quoi les Sparks? L'autre set. Et des Gold Nuggets. Donc on va en prendre deux. Nuggets. On en a encore deux. Nice. J'aime quand les plans se déroulent sans accroc. Voilà. Allez, on remonte. Et on va faire un petit pion-pion. Histoire qu'il fasse jour. Une petite taf pour le voyage et c'est parti. Par contre, comment qu'on l'alimente? Can be fed via one of two ways, either via mana burst or nearby sparks by placing a spark on top of the enchanter. The latter being much faster. Ah, donc le truc c'est. Ok. Alors, par contre, l'emmerde. Le truc qui est pas. Qui est pas terrible, terrible, c'est que j'ai plus de. Comment qu'on va faire ça? Parce que je sais pas si on va avoir suffisamment. Attendez, on va faire. Déjà, on va prendre des mana pétales. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Où qu'il est, le truc que je veux utiliser, c'est là. D'accord. Hop, voilà. La petite table de craft portative comme d'hab. Donc. Voilà, les gold nuggets au milieu. Roule ma poule, c'est parti. Donc la question est de savoir si toi, je bim, voilà, et toi, je bim. Ouh, c'est mignon ça. Bah écoute, parfait. On va voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr, hein, mais bon, on sait jamais. Alors, première chose à faire, on prend notre chestplate. Et on va retirer les mains aussi, tant qu'à faire, histoire d'être évité d'être embêté. On place notre chestplate sur le bloc de lapis. Et ensuite, on va balancer notre fire protection dans le cercle. Hop! Se passe-t-il quelque chose? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il nous dit? Right-click the enchanter with the emerald of the forest. D'accord. Alors. Voilà. Sauf que. Se passe pas grand-chose. Alors, dans un souci d'efficacité, je verrai ça plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire j'bim, j'bim, et j'bim. Non? Non plus? Bon alors, toi, toc, 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 viens là. Et que fait-on? On va faire vite fait un mana pool. Mana pool. Voilà, toc. On se prend pas la tête, tranquillou, on va réussir. Hop, je te balance ça. Là, par exemple, on s'en fout. Voilà. On va te mettre. Ici. On va mettre le spark là. Toi, tu reviens là. T'es où? On va reprendre ça, hein, tant qu'à faire. Toc. Voilà. On va mettre notre tablette dans le bousin.
En ayant au préalable, oui, accepting, donc c'est bon. Hop. Ça va tranquille. Maintenant, on recommence l'opération. Perdu. Mais que c'est pénible. Voilà. Notre enchantement ici. C'est lequel que j'ai pris. C'est bon. Et maintenant, on fait Shpim. Et il se passe rien. C'est pratique. Toc. Oh là 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 là. Ça fait suer tout ça. Hein. Non, c'est pas ça que je veux. C'est le Spark. Bon, je fais une petite ellipse, je regarde comment ça fonctionne et je reviens vous voir. Bon, j'ai viré les autres Sparks, on va voir ce que ça donne. Puis sinon, bah, on fera autrement. Hein. Bon, déjà toi tu veux pas, tu commences à faire suer. Il est où? Il est là. Voilà. Hop. Comme ça. Jusqu'ici, tout va bien. Comme ça. Jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, clic droit avec Wand of the Forest. Bon, tu le scannes le bouquin ou... Tu mets un coup de pied au cul? Là, il y a des trucs qui se passent. Non, il n'y a rien qui se passe. Lui, il va que là. D'accord. Bon, alors, peut-être que le mana pool est dans le machin et ça lui plaît pas. On sait jamais, hein. Donc, on va le vider vite fait. Ça marche pas. Je peux pas faire de la machine, ça marche pas. Allez, dépêche-toi. Dépêche, Marcel. Y a des gens qui regardent. Allez, 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 allez. Il n'y a plus rien. C'est vide. Parfait. Donc toi, je te casse. Voilà. Il est où le Spark? Il est venu avec moi, c'est parfait. Hop. Donc on va le mettre ici, par exemple. Hein. Bien au calme. Détendu du gland. Hop. Hop. Tic. Et tac. Là, on met les watts. Ici. Donc il dit bien par contre, je vais juste vérifier un truc, c'est peut-être là où le bât blesse, c'est peut-être que le bouquin il doit être mis quelque part. Alors, dans, il faut utiliser l'enchantement. Ah, c'est un right-click, d'accord, j'avais pas compris. Pardon. Lit mousse, ça t'évitera de faire attendre les gens. D'accord, alors. Right-click. Voilà, on récupère ça. Ensuite, Kiki Din, monsieur. C'est right-cliquer. Drop the Enchanted Book Inside. Ouais, pas, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Alors, Fire Protection. D'accord. Donc maintenant, right-click. Et voilà, forcément. Ça va mieux comme ça. Et je bim, normalement c'est bon. Je crois. Hop. Et là, si je prends avec une main vide, qu'est-ce que j'ai? Fire Protection sur mon chestplate. Mais cerise sur le McDo, c'est que mon Fire Protection, je l'ai gardé. Voilà. Maintenant, vous comprenez.
Ça marche plutôt pas mal ce truc. Moi je trouve ça bien. Au moins on peut enchanter, mais on garde les bouquins. Donc Imhotep, j'aurais dû faire ça avec la Sleep Touch. Bon, bah voilà une affaire rondement menée. Dans le prochain épisode, je pense, ou dans les épisodes plus. Peut-être pas le prochain, hein, mais peut-être dans les suivants. Ici, cet endroit-là, c'est du 9 par 9, on essaiera de se faire le rituel de Gaïa. Histoire de pouvoir obtenir les upgrades, notamment de ma ceinture, qui nécessite. Alors, c'est. Je sais plus. Botania. Hop. Globetrotter, sache. Il me faut ça. Gaia Spirit. Et le Gaia Spirit, on a besoin de battre le boss de Botania pour pouvoir en obtenir. Donc c'est du 9 par 9, mais le truc aussi c'est qu'il faut un beacon. Donc tant que j'aurai pas vaincu un Wither Boss, pardon petit Rotopio, bah on pourra pas le faire. Donc voilà. Donc bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt YouTube. Allez ciao!